Good morning, allez, Daniel, et tu seras aujourd'hui le chemin d'Abraham, très bien, bonne fortune, et Mazal, et Dida, Batester, si vous souhaitez, vous aussi, d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Masechet Kirdot, Père et Kalef, Mishnah Gimel. Yesh meviot korban ve ne'echal, ve yesh meviot ve eno ne'echal, ve yesh she'enan meviot. Eilu meviot korban ve ne'echal, hamma pe'elet ke min behema chaya va ov divra bimeir. Vachachame onrem ad sheyebo mitzurat adam. Hamma pe'elet sandal o shilia. ושפיר מרוקם, והיוצא מחותך, וכן שפחה שהפילה, מביאה קורבן ונאכל. Le but de ma Masechet Kridout, il est de m'enseigner toutes les situations pour lesquelles je suis passible d'apporter un korban. Korban Khatat, Korban Hacham, on va tous les passer en revue, Bezrat Hashem, dans cette Masechet. Suite à ça, on a commencé dans le Mishnah Aleph à évoquer les 36 Kridout de la Torah, 36 Averot pour lesquelles on est passible de Karet. Parce que le but, c'était d'arriver dans le Mishnah Bet, et de me dire, sache que toutes ces chiyuv karet, le retranchement, lorsque tu as transgressé bemezid, consciemment, et bien sache que si tu as transgressé inconsciemment, tu dois avoir apporté un korban khatat, à quelques exceptions près, c'était la Mishnah Bet. Dans la Mishnah Gimel, maintenant, on va commencer concrètement à apporter, à évoquer différents korbanot. Et on commence avec une femme qui doit porter des korban khatat, mais pas un korban khatat, littéralement, c'est un korban expiatoire, mais qui doit apporter un korban khatat, bien qu'elle n'ait pas transgressé de faute du tout. Ça arrive, il y a quelques exceptions comme ça, qui sont le metzora, la yoledet, le nazir, et donc en l'occurrence, le nazir c'est un peu différent. Il y a pour le moment, sur la femme, la yoledet, la femme qui a accouché. Une femme qui accouche, elle doit apporter des korban, des korbanot pour se purifier. Et en l'occurrence, donc elle doit apporter un korban khatat, et qui sera, alors la Mishnah m'enseigne, Yesh meviot korban venechal, il y a des femmes qui vont apporter le korban et qu'il sera consommé, tandis que Yesh meviot venechal, il va y avoir des femmes où on va leur demander d'apporter un korban, mais qu'il ne sera pas consommé par les kohanim, parce qu'en fait, il y aura un doute sur cette situation, comme ce qu'on verra dans la prochaine Mishnah d'Alet. Il y aura un doute. Dans le doute, on lui dit, bon, puisque pendant elle a une impureté, la femme, c'est-à-dire une yoledette, lorsqu'elle accouche, elle a une certaine impureté. Après, elle se trompe au mikvé, 7 jours, 14 jours, pour un homme, un garçon ou une fille. Et puis après, elle est en situation un peu intermédiaire entre la pureté et l'impureté. Elle est déjà permise à son mari, mais elle n'a pas le droit d'entrer au Beit HaMikdash jusqu'à qu'elle va finir toute la période de 40 jours ou 80 jours pour un garçon ou pour une fille. Et après, cette période, elle devra apporter un korban, et lorsqu'elle va apporter le korban, ensuite elle pourra enfin entrer au Beit HaMikdash. Dans le doute, c'est-à-dire, on va évoquer des situations de doute où elle ne sait pas est-ce qu'elle a accouché ou pas, c'est pas évident, on va expliquer pourquoi. Eh bien, dans le doute, on va dire, tu sais quoi, tu apportes un korban, mais ce korban, puisqu'il est possible qu'il ne soit pas un korban khatat, que c'était une erreur, eh bien il ne sera pas consommé. Veyesh she'enan meviot, et il y en a qui ne vont pas du tout apporter de korban. Donc en fait, trois sortes de femmes qui vont mais accoucher, libérer de leur ventre quelque chose. Une, que lorsqu'elle va le libérer, elle va accoucher cette chose-là, eh bien, elle devra apporter un korban khatat qui serait consommé par les kohanim. Une autre qui devra apporter un korban khatat qui ne sera pas consommé. Et une autre qui va, même pas, on va me le dire, c'est même pas la peine d'apporter quoi que ce soit. Et la Mishnah commence à me dire, « Elo meviot korban venechal » Telles sont les femmes qui doivent apporter un korban et qui seraient consommées. Bien évidemment, une femme qui a accouché normalement, c'est sûr qu'elle devra apporter un korban. C'est pas le but de notre Mishnah est de préciser les situations plus délicates. En l'occurrence, une femme qui va avorter, qui va faire une fausse couche. Donc, Hama Pelet Kemin Behema Chaya Vaof Divri Rabbi Meir. On commence tout de suite avec une discussion en réalité. C'est que, tout d'abord, peut-être qu'on commence par le cas plus évident. Une femme qui avorte, après, à partir qui va faire une fausse couche, après 40 jours de fécondation, on a un enfant qui est en théorie parfaitement. Qui commence à vivre, d'un point de vue religieux, Torah, après 40 jours, donc si elle va faire une fausse couche, elle devra apporter un korban comme une yolette, être comme une femme qui a accouché, pour pouvoir se purifier. C'est ce qui va lui sortir d'elle, ça va plaire un accouchement. On ne saura pas est-ce que c'est un garçon ou une fille, c'était quelque chose qui avait quelques petits centimètres uniquement. D'accord Mais malgré tout, elle a accouché. Elle devra donc apporter un korban. Ça sera la deuxième partie de la Mishnah. La Mishnah, elle préfère nous rentrer directement dans le cas le plus complexe. C'est qu'elle a accouché un être plus ou moins formé,
mais qui ressemble à un animal, en l'occurrence. À ma pellette, celle qui va faire une fausse couche, qui va avorter, faire une fausse couche. Kemin behema chaya vaof. Avec un être qui ressemble à un animal domestiqué, sauvage, ou à une volaille. Un petit oiseau. Elle a accouché un petit oiseau. Un petit truc bizarre, ça pourrait ressembler à un petit oiseau. Ça ne sent pas une tête d'homme. D'accord? Il n'y a pas de forme d'homme. On va expliquer ensuite, ça va être quoi exactement une forme d'homme. Mais pour le moment, c'est quelque chose qui est nettement un petit oiseau. Un petit animal. Mais pas un homme, un être humain. Alors ça, malgré tout, Rabbi Meir valide, dit que ça s'appelle qu'elle a quand même accouché. Puisqu'elle a accouché, elle a une impureté de Yoledet, et elle devra porter un korban khatat pour se purifier. Divré Rabbi Meir, tel est la vie de Rabbi Meir. Vachachamim omrim, chachamim disent non. Achiebo mitzurat adam. Chachamim, eux, pensent qu'il faut qu'il ait nécessairement une tzurat adam. Une forme d'homme. Ça implique quoi précisément? C'est un peu délicat, cette forme d'homme. Exactement, est-ce que... il y a ici un Tifret Israël qui rallonge un petit peu pour expliquer. Est-ce qu'on parle que... C'est sûr qu'on ne parle pas qu'il y a une forme de corps avec des bras qui sont déjà dessinés. Ce n'est pas la peine. Il suffit qu'il y ait deux boules. Une qui représente le corps, une qui représente la tête. Et que dans la boule de la tête, alors soit il faut qu'il y ait la forme d'une tête d'homme, qui est plus longue qu'une tête d'animal. Il y en a qui vont même dire aussi que si elle a, par exemple, il a des yeux qui ressemblent à des yeux d'homme, une forme d'œil d'homme et pas d'œil de bœuf, ou encore quelques petits simanimes, ça peut, il faut qu'il y ait un petit peu Mitzurat Adam, d'accord? Il y a plusieurs avis sur combien exactement. Mais en tout cas, si c'est un netto, si c'est exactement un animal qui est né, un petit oiseau, c'est pas une impureté, il n'y a pas eu de tomate yoledet, il n'y a pas eu d'impureté dans cette selon Chachamim, donc il n'y aura pas non plus de nécessité d'apporter un corban, d'accord? Sauf s'il y a quelque chose qui ressemble à un homme. On continue. Hamapelet sandal. Maintenant, on va parler des cas où tout le monde est d'accord. Et je les traduis tout de suite. Hamapelet sandal. Celle qui va mettre bas une. Alors, on peut traduire ça soit par une sandal, soit une sandale, en l'occurrence. Ou soit avec. Plutôt, c'est un jeu de mots qui veut dire sanouille védal. Concrètement, on parle d'un. Qui a eu quelque chose qui est né. Qui est complètement aplati, écrasé, écrabouillé. Soit, littéralement, ça ressemble à une forme de chaussure. Mais c'est un être humain. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne peut plus rien distinguer. Mais c'est un être humain qui s'est fait, qui est passé sous le rouleau compresseur. À la différence du précédent qui était un petit oiseau, ou un petit animal. Là, c'est vraiment un être humain qui a été écrasé. Alors là, c'est un être humain, un homme, ouais. Au Chilia, ou encore même mieux que ça. Elle a uniquement eu un placenta qui est sorti. On a cherché dedans, on a vu que c'était que liquide. Mais malgré tout, Ramim savent qu'il y avait dans ce placenta, et en réalité, un petit foetus qui était formé et qui a fondu. Ou Shfir Merukam, ou encore, elle a ressorti une sorte. Alors, c'est un peu compliqué. Shfir, ça vient de Shfoferet. Shfoferet Merukam. Une forme qui a une sorte de peau formée, qui a une peau un peu translucide, où on voit qu'il y a dedans, il commence à y avoir dedans des petits nerfs. Donc, ça, il y a déjà eu un début de foetus formé. Donc elle a fait une fausse couche en faisant sortir ça d'elle. Ou encore, va Yotse Mechoutar, ou bien même pire que ça, c'est qu'ils ont fait sortir de son ventre des membres. Ouais, elle est partie à coucher, et puis la pauvre, on a sorti un pied, un bras. Mais pas un bébé formé. Malgré tout, toutes ces situations s'appellent qu'elle a accouché un être humain. Des reines aussi, et donc... La Mishnah me dira à la fin, mais via Korban Venechal, elle devra porter un Korban qui sera consommé parce que c'est une vraie naissance. Elle a accouché, donc elle a accouché, elle devra se purifier et apporter ce Korban Khatat. Et encore un autre cas de figure, qui est Vechen Shifra chez Epila, une servante qui a fait une fausse couche. On parle de quoi exactement? C'est très simple. On a déjà évoqué dans la Mishnah, je ne sais plus où, Kritut ou fin de Tumura. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, on avait évoqué le statut des esclaves. Les esclaves goy qu'on achète pour le Ham Israël. D'accord? Qui va prendre un statut de à moitié juif. C'est-à-dire, il va être imposé d'accomplir plusieurs épisodes. Si je vais aller acheter un Eved Knaani, un esclave Knaani, goy, quand il va rentrer chez moi, je vais devoir lui faire le Brit Mila, je vais devoir le tromper au Mikvé, il va devoir préserver plusieurs mitzvot de la Torah qui correspondent aux mitzvot qu'une femme doit préserver. Les mitzvot assez Shelo Azman Grama.
Et mais pas, il devra pas prendre le loulav et partir faire la tefila. Et ouais, mais il devra quand même, il y aura quelques petites mitzvot qui sont imposées de faire, que tout comme une femme. Bah, quelques petites, mais beaucoup quand même. Faire Birkat Amazon, faire attention à tous les interdits de la Torah aussi. Et la Mishnah vient m'enseigner ça, qu'aussi une servante qui va accoucher, elle sera aussi concernée par ces lois de pureté et d'impureté. On aurait pu croire, le Barthénor explique, on aurait pu croire qu'une servante, elle sera dispensée de ces lois d'impureté et d'impureté. C'est-à-dire, tu m'as déjà dit qu'un esclave, il doit accomplir les mitzvot comme une femme. Bon, alors, c'est que pour ce qui concerne les mitzvot générales, et la servante aussi. Mais quelque chose qui est complètement spécifique aux femmes et qui se retrouve en fait chez une servante, peut-être elle sera complètement dispensée de ça. La Mishnah a eu besoin de m'enseigner. Sache que non, la servante, elle doit elle aussi apporter un korban, khatat, pour se purifier ensuite. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Salam.